de l'ère antique à l'ère moderne. Faiseur de civilisation, bâtisseur de pyramides, les hommes oublient si vite la leçon. Dors petit mouton, tu es si fragile. Ils ont perdu leur repère et cherchent un guide. Et n'importe quel faux prophète en profite, même le plus factice. Le papier vert est devenu la nouvelle religion. Pointés du doigt sont ceux qui diffèrent d'opinion. La grandeur de nos ancêtres n'a d'égal que notre passesse. Briller c'est plus la peine quand on n'est plus que l'ombre de soi-même. L'homme doit lever le voile, redécouvrir son potentiel. Seule la recherche de vérité viendra éclairer nos lanternes. Il mène l'humanité vers une extinction programmée. Y'a pas de pluralité, y'a que des maîtres autoproclamés. Bien à l'écart, ils ont conservé le savoir ancestral. On laissait la masse dans l'ignorance, à l'état d'esclave. Depuis des millénaires, on ne peut qu'applaudir la constance illégitime, la misère, mais eux vivent dans l'abondance. Heureusement, des voix s'élèvent qui viennent leur compliquer la tâche. Et si on s'y met tous, peut-être qu'on pourra tourner la page, réécrire l'histoire, et pas selon les vainqueurs. Pareil, suffit d'y croire, mais nous on croit au journal de 20h. Tout n'est qu'illusion et millimétré mise en scène. On se querelle sur l'histoire des prophètes, mais on se fout de ce qu'ils enseignent. Ridicule compétition, on signe notre propre déclin. Pourquoi ils nous divisent? Parce qu'ils savent bien que tout ne fait qu'un. Mais le temps est venu pour retirer leur révérence. Un nouvel âge où nulle part ils ne sont cités en référence. Commence ici et même si le futur est assez terne, l'époque est à l'éclaircie et à un réveil planétaire. Rien ne peut arrêter le raz-de-marée des événements. Ils ne pourront qu'accepter ou mourir et lutter vainement. Bientôt le moment où on pourra refermer la parenthèse, vivre pleinement et sortir de la quarantaine. Pour beaucoup ce sera un choc, habitués à être pris en charge, à toujours baisser leur froc, soumis à la peur de vivre en marge. Pour les dissidents qui savent qu'ils en ont marre, qu'on les baratine, ce sera une délivrance divine, une libération salvatrice. Et l'univers pourra prendre un nouveau départ. La connaissance et la lumière diffusées dans chaque atome. Nos âmes on les récupère jusqu'à ce que la mort nous sépare. Des mains ont montré que les points dorénavant voici la paume. Notre temps nous est compté, bientôt viendra la fin du monde. Les hommes sont stupides de croire qu'il peut y avoir une solution. La terre tremble, on va monter, il faudra qu'on rende des comptes. Qu'on viendra l'heure du jugement, tu demanderas l'absolution. Au commencement Dieu avait créé le ciel, la mer et les ténèbres. La lumière fut pour éclairer et que puisse naître une nouvelle ère. Y'avait pas d'homme, tout allait bien, mais apparu Adam et Ève. L'histoire de la pomme et du serpent, l'espèce humaine et ses faiblesses. Les tentations n'a pas du gain, le bail, le sexe tourne la tête. Pour du pouvoir, certains sont prêts à vendre leurs âmes ou de la mettre. L'argent est maître dans ce jeu, la religion c'est le billet. Ils recherchent le pétrole et se dépêchent de le piller. Oh mon Dieu, ayez pitié de nos âmes en perdition. Nous nageons en plein cauchemar sur le chemin du dérisoire. La déraison illusoire nous laisse voir à l'horizon. Des lumières qui influencent notre jugement, notre raison. Et nous cherchons des réponses aux questions existentielles. Dans la science, la connaissance, mais au final, qu'est-ce qu'on en sait? Et on essaye de trouver un vaccin aux maladies pour devenir immortel ou accéder au paradis. C'est pas radieux ce qu'on a fait, mais heureusement certains militent pour qu'il y ait plus d'unité, plus d'équité, plus d'équilibre. Pour un peuple libre en Palestine, une justice après les crimes. On résiste à l'ennemi comme Astérix ou à des crimes. Et on affronte un empire, des barrières insurmontables qui divisent et créent des guerres maintenant devenues incontrôlables. À quoi ça sert de parler mal quand je vois ce qu'ils font de par le monde? On ne se bat pas à armes égales, mais quel sera le dénouement? Faut-il vraiment que tout s'écroule pour que naisse une nouvelle ère? Doit-on casser pour rebâtir, pour qu'il y ait un monde meilleur? Au fond j'ai peur, tout s'accélère, le danger est imminent. La nature s'est révoltée et l'homme devient insignifiant. Que peut-on faire face au vent ou la force d'un tsunami? Si tu croyais être intouchable, faut te réveiller, t'es fou l'ami. Ici la vie ne tient qu'à un fil et personne n'est immortel. Bêtes sont ceux qui l'auraient cru, nous rendrons l'enveloppe charnelle. Mais poussière tu as été et poussière redeviendra. Tu rendras ce qu'on t'a prêté et avec rien repartira. Seul dans un drap, un linceul conviendra le jugement. J'attendrai sa décision sans préparer un argument. En attendant je kiffe la vie car celle-ci est trop précieuse. Et pour rien je n'échangerai même si la route fut sinueuse. Non je ne suis pas un religieux mais je crois au tout puissant. Dieu est grand, miséricorde et pardonnera les médisants.